en a la cellule, c'est ça d'accord. Ah d'accord, ça va pas être pas. C'est ma bague pour me monter. Voilà, il est là. Si on veut 5 000, on va aller en taxi. Vous avez acheté un satellite, hein, une parabole pour récepteur satellite. Et pourquoi en fait? Qu'est-ce qui vous a amené à acheter? Bon, c'est pour avoir mieux et plus d'informations à propos de ce qui se passe et au Sénégal et dans le monde. Hein? Ça c'est de un. L'autre raison aussi, bon, c'est le découragement de la RTS. La RTS, moi, c'est de bon. À mon niveau, moi, le programme est vite. Okay. RTS 1, le programme est vite. Donc vraiment, nous voulons un peu plus d'informations, un peu plus de nouvelles. Voilà, tout ça, c'est ce qui m'a poussé à... Ok, mais c'est un avis en tout cas ces derniers mois, en tout cas surtout l'année, à part de l'année passée, qu'il y a un engouement vers le satellite quoi, à Kolda. Vraiment, est-ce que c'est la seule raison que... C'est l'aide numérique, c'est surtout ça, l'aide numérique. Kolda étant une zone un peu enclavée, donc il faut... C'est une population aussi qui a le droit et le devoir de s'informer comme n'importe quel citoyen de l'intérieur. Voilà, nous voulons être au même niveau d'information que n'importe quel pays du monde. Voilà, c'est ça. Est-ce que une information, est-ce que vous saviez que le Sénégal en 2015 doit passer au tout numérique? Est-ce que vous saviez ça? C'est quoi le tout numérique? Le numérique, c'est-à-dire tout sera au numérique d'ici 2015, Inch'Allah. Oui, en tout cas, ce sera la bienvenue. Ce sera la bienvenue. Quand ça viendra, nous allons nous ruer encore pour voir ce qui se passe. Parce qu'il a un pays ainsi pour le téléphone portable, qui actuellement est devenu un rien, mais un mal aussi indispensable. En fait, nous avancerons tant que la technologie aussi ira de l'avant. Donc si on vous comprend, Kolda ne sera pas en reste, hein? Pas du tout. Kolda ne sera pas en reste. Donc Kolda, il ressource il a beaucoup de talent. Donc nous aussi, pour ne pas être en reste, nous voulons faire comme tous les autres. C'est fini ou ça reste? Tout est livré. Tout est livré, ça y est. Là, je suis venu ici pour acheter un bol plus le décodeur afin d'avoir les différentes chaînes. Donc, vous savez, nous sommes à l'heure de la technologie et de l'information. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ne soit pas sous-informé. Et puis, bon, quand on n'a pas de bol, avec la RTS seulement, ce n'est pas suffisant pour avoir une information variée et multiple. Mais pourquoi ces dernières années, surtout cette année, il y a beaucoup vraiment une prolifération de ce numérique-là? Pourquoi est-ce que vous avez vraiment choisi le numérique, le satellite? Bon, vous savez, là, les images sont plus claires. Et puis, bon, vous avez un peu, comme je l'ai dit, la multiplicité des chaînes aussi. Et puis, il y a l'effet de mode aussi. Parce que là, bon, même les mamans demandent aussi parfois. Donc, ce qui fait que, bon, là, tout le monde, il y a un rush vers le numérique aussi, quoi. Donc, c'est surtout la qualité des images et la multiplicité des chaînes, quoi. Parce qu'on peut savoir ce qui se passe ailleurs. On a en permanence France 24, TV5, et puis les chaînes africaines aussi, je pense que c'est ce qui fait les. Et sénégalaises aussi. Les sénégalaises aussi, bien sûr. Est-ce que vous savez que le Sénégal doit passer d'ici 2015 au tout numérique? Donc normalement, en 2015, au Sénégal, tout le monde doit avoir le numérique. Est-ce que vous le saviez? Bon, ça, j'avais entendu comme ça dans les informations. Maintenant, il reste à savoir, est-ce que tout le monde a les moyens de passer au tout numérique? Bon. Ça, c'est une question aussi, parce que même ici, pour avoir un bol et quelques, ça tourne autour des 50. Et ceux qui doivent s'abonner à Canal, bon, la mensualité seulement, je pense que c'est entre 24 000, 50 000, 60 000. Il reste à voir maintenant avec cette crise, est-ce que tout le monde a la possibilité vraiment de passer au tout numérique? À moins que ce soit des installations numériques et qu'il n'y ait pas d'abonnement mensuel, peut-être là, ça peut passer. Mais sinon, autrement, ça va être très difficile. Donc on peut dire que Kolda ne sera pas en reste, hein? Ils ne seront pas les derniers dans le pays. Oui, parce que maintenant, il n'y a pas que Kolda. Là, partout où je suis passé, Velingara, c'est du Kolda. Sur les toits des maisons, on voit un peu partout des bols. Donc ce qui veut dire qu'il y a un grand intérêt pour les populations de se brancher vraiment pour avoir des informations variées et avoir des images de qualité aussi.
Vraiment, depuis qu'on a trouvé les satellites, ça marche très bien avec nous. Même par jour, si, ou bien par mois, on vend plus de 30 ou 50 balles. Parce que les gens se sont appréciés avec les satellites. Parce que les images que tu vas trouver dans les satellites, c'est pas pareil comme les autres. Et puis, il y a les chaînes aussi que tu ne peux pas trouver si tu n'as pas les satellites. Et avec les informations France 24, TV5, les gens se sont intéressés pour avoir les satellites. Il n'y a pas que les satellites, il y a les téléviseurs aussi. Hein. Il y a les LCD maintenant qui commencent à venir. Je vois que vous en faites quand même quelques commandes. Je vois derrière et même devant. Donc ça se passe bien aussi hein, pour les téléviseurs. Si, les LCD, ils sont des télé qui sortent les belles images. Mais à cause de moi, c'est difficile à revendre les LCD. Ça marche, mais pas tellement pour les LCD. Mais si c'est les petits télé comme les Sharp, les Samsung, les petits, au moins ça va. C'est vraiment le produit le plus vendu en ce moment. Hein. En tout cas, les paraboles, ça se vend. Les LCD, c'est pas encore ça, parce que le prix est exorbitant et les gens ont des doutes sur la qualité, sur la durée. Bon, ils ont des appréhensions parce que c'est une nouvelle technologie qu'ils ne maîtrisent pas. Mais quant aux paraboles, on en vend quand même. On en vend assez régulièrement et en quantité. Okay. Surtout à l'approche des grands événements comme la Coupe d'Afrique, s'il y a la Coupe du Monde par exemple, l'information, lorsqu'il y a des guerres ou il y a des ailleurs, les gens achètent, ils achètent. Okay. Ces jours-ci, on vend en moyenne 3-4 paraboles par jour. Bon. Et je ne suis pas le seul à le faire, à tous les coins de rue, il y en a, donc ça veut dire que ça marche très fort. Okay. Pour une commune rurale quand même, comme Kolda, c'est pas mauvais. Donc on peut dire que Kolda aussi n'est pas en reste par rapport au numérique, hein? Non, Kolda n'est pas en reste, c'est la preuve, la floraison des antennes sur les toits de toutes les maisons, même des paillotes ou des abris provisoires ont des antennes. Et ça veut dire que les gens sont assoiffés d'informations et c'est vrai parce qu'ils ne reçoivent que la RTS encore. La plupart des gens sont en panne, la RTS est en panne, surtout en panne pendant l'hivernage. Ils pourront rester parfois 2 mois sans pouvoir capter le signal. C'est pourquoi les gens maintenant ont contourné ça et voilà, ils font par les moyens de bord. Pour vous donner une idée des prix, avec moins de 50 000 francs, vous pouvez avoir les deux bols. Maximum 50 000 francs, selon la qualité des appareils et du matériel. 50 000 francs, vous avez une trentaine de chaînes et vous êtes bien lotis. Vous ne payez aucun abonnement. Et voilà, les gens ont compris cela et ils en profitent en tout cas. Nous, avant, on regardait seulement la RTS, mais maintenant on regarde toutes les chaînes. Les images sont jolies. Mashallah, dal. Tout c'est bien. Le journaliste est un citoyen comme un autre et devrait donc répondre de ses actes. Je profite personnellement de l'occasion pour dire qu'il n'y a pas de journaliste en prison au Sénégal, pas plus qu'il n'y a de détenus politiques. La question de l'amnistie fiscale. Ça permet aux gens de diversifier les chaînes et l'information. Et aussi, c'est pour permettre aux uns et aux autres d'être au diapason, lui, juste être à l'époque du numérique. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Mansour, Tendou, Mansour, Yéna.